Salutations, on se retrouve à nouveau sur Monster Hunter avec Akela. La cinématique, mais... Non, j'ai pas mis la cinématique dedans. Mais ça donne quoi en fait, que tu m'as fait ramasser? Un plan. Pour quoi faire? Bah, pour les félines. Il y a une fortune si tu veux la ramasser. J'arrive avec lequel je vais aller tuer vite fait des bestioles pour le camp. Vas-y, amuse-toi bien. Tara, t'es trop belle. Putain de merde. Putain. Clara. Clara est faible. Clara, Clara. Clara mortelle. Clara perdue. Clara perdue. Bon, ça marche. Ouais, ça marche. Ça ok, super. Clara, t'es belle, putain. Oh, t'es belle. Tiens, mon cœur. Clara, tu peux me rendre un service, un gros service. Tu peux me rendre le gros service. Alors, dans le frigo, tu vas retrouver quelque chose. Et je veux aussi des choses là avec des glaçons. Allez, tu dois deviner ce que je veux. Oui. Bravissimo, bébé. Et je peux te demander le deuxième service. Et après, j'en ai trois en tout. Mais... Alors, le deuxième service, c'est que tu jettes le papier à la poubelle qui est sur la table. Et le troisième, c'est faire le bisou. Parce qu'il y a le bisou à la fin. De toute façon, j'ai bien compris que c'était du chantage, la vie. Quoi? Bah oui, c'est l'impression d'avoir une femme, forcément, hein. Oui, c'est nerveux. Il est malade, hein, les hommes, vraiment. Ah, vraiment, c'est honteux. Hein? Eh les boys, on fera plus sa femme en 2024. C'est plus à la mode. Hein. Tout est une question de mode après tout. Bah attends, là je monte sur un arabe. Un érable. Bien. Encore un peu tu peux lâcher. C'est sa femme qui fait le bruit. C'est vrai que c'était très animal comme bruit. Oui. Mais j'en sais rien. Bah il se barre hein. Il est parti dans un autre monde, le lézard. Moi j'ai guise hein. Il est paralysé, allez hop. Ouais, moi aussi. Ok, le deuxième monstre est arrivé. Ah,
C'est toi qui as mis le crapaud? Ah oui. Pourquoi le crapaud a fait des dégâts mais que à moi? J'ai trouvé ton crapaud très négatif. Lâche. Ça rate. D'ailleurs, tu sais, hier j'ai découvert avant d'aller dormir. Hier, gros, tu m'as dit je suis sur Discord, gros. Je suis venu sur Discord, t'étais pas là. Oui, mais en même temps, t'es venu sur Discord une heure après, je crois. Ce qui est rigolo parce que quand t'es venu sur Discord, moi j'étais en train de jouer à un jeu en même temps. Du coup techniquement j'étais là mais pas sur mon truc. Du coup c'est rigolo. Bah, du coup j'ai attendu après je sais pas. Ouais, t'as même pas laissé de message, rien quoi. Tu m'as renvoyé un message. Sur mon téléphone. C'est vrai. Le plus violent je l'aurais pas vu. Il y a des chances. Non, il a couru. Tu vois sur le serpent de terre. Là. C'est un désordre. Oui. T'as mon chef de service ou quoi? Oui. En plein là. Si. Là non. Si. Là non. Si. Je suis ton chef de service, mec. Laisse-moi rire dans ce merde. Donc là c'est régalade, donc qu'est-ce que tu m'as fait? Insubordination quoi. Le petit porto là. Bon là le col. Taille max, waouh. Bulbit. Bulbitu. Là t'as une taille max. Ouais, pourquoi? On a pas eu toi? Pas moi. Non. Bah rigolo. Hein. Tu veux dire que t'en as tué plus que moi quoi? C'est étonnant. J'ai eu la couronne en argent, tu l'avais peut-être déjà du coup. C'est Guy qu'on a tué? Non, j'ai éteint ta télé. T'as éteint ta télé? Un de vos amis, Ikali no Senshi, a quitté la quête. Bon, c'est rien, tu peux rejoindre la truc à la volée quoi, c'est heureusement. Après je sais pas si ça va compter le premier monstre, j'imagine que non. Ah mais il est plus là du tout en fait, c'est vrai que quand il éteint sa télé ça éteint tout, du coup il est plus sur Discord non plus. C'est quand même un énorme défaut je trouve ça. La télé est un mur porteur quoi. La guerre avec Gigaguerre. Bah alors on éteint sa télé. Oui. Ce qui est rigolo c'est que j'ai entendu. Oh non, j'ai éteint la télé. Ouais mais du coup ça fait un drame. Bah non t'inquiète. Je vais rejoindre la quête. Juste. Juste le monstre que j'ai qu'on a tué, bah il va pas compter pour ça. Si, je l'ai eu, je suis 1 sur 2. Non mais je veux dire le loot que j'ai eu, toi tu l'auras peut-être pas. C'est pas grave, c'est pas grave, d'accord. Oui, c'est pas grave. Je conçois le fait que c'est pas grave.
La guerre, la guéguerre. La dernière fois que tu dis ça, t'as eu une déco, mec. Ah, c'est vrai. Fais attention. C'est Miaouss. Bah oui. Y'a que peu le courant, Miaouss. Il aime pas trop l'électricité après s'être pris plusieurs attaques foudre. Il était en mode JPP. Chacun. Tu le savais toi que quand ta lame était en bleu, t'avais des bonus d'affinité? Bah. Pas gros. Tu le savais pas donc. Pourquoi tu me l'as jamais dit? Je me suis trompé, c'est pas fusion, c'est frontière. Ah ok. Et en plus c'est un MMORPG. Et d'ailleurs du coup j'ai revu plein de monstres qu'on a là dans le Rise. Mais qui avant avait un autre nom et un autre design. Oh. J'avais oublié. Mais toi tu peux jouer sur ton PC, moi je peux pas jouer parce que ça va, ils ont fermé. Au mois de septembre. Toi, tu peux y jouer sur l'émulateur. Au mois de septembre j'aurai un jeu de proposer. Pour en ok, sympa. Non, pour un jeu ça. Enfin, c'est un jeu, ça dépend comment tu vois les choses. Un jeu à. Ah ça stick le stick quoi, c'est fun. Ouais bah comme là on ça stick le stick à deux. Voilà bah on pense à sticker le stick là. Du coup il sort au mois de septembre. Et déjà on pourra y jouer day one si tu veux. C'est un MMORPG, un peu à la World of Warcraft. Et pour les journalistes, alors ça vaut ce que ça vaut, parce que bon, c'est des journalistes et les journalistes, bon, c'est des gens au chômage globalement. C'est un peu des gens comme moi, sauf qu'ils sont payés à dire de la merde. Et du coup, bah, selon les journalistes, le jeu est incroyable. C'est quoi le jeu? Throne and Liberty. C'est un MMORPG plus tourné vers le PVP. Il y a du PVE, mais c'est plus PVP qu'autre chose. C'est quoi? Pas PVP. Oui, mais il y a du PVE aussi. Il y a les deux. Moi, je serais plus tourné vers le PVE, mais tu pourras faire du PVP. On va voir à quoi ça ressemble, il y a des images. Oui, bah oui, il y a du gameplay, il y a une bêta ouverte. Il est terminé maintenant. Tu l'as essayé, toi? Je l'avais commencé à l'installer, et quand j'ai voulu finir le téléchargement, la bêta a été fermée. Mais bon, comme il sort sur PlayStation, PC, etc., bah on pourrait y jouer sur PlayStation du coup. Ok. Et il y a pas de classe dans le jeu. C'est selon l'arme que tu portes. Ça m'intéresse pas. Par exemple, si t'as des dagues, bah t'as une spécialité dague. Il y a une grosse ça épée. Pas. Comment ça? Tu peux jouer voleur. Hein. Ouais, mais moi j'aime bien avoir ma classe. Bah oui, bah ça sera le cas. Et hein. Avoir les avantages de ma classe. Ah, si tu portes des dagues, tu pourras te spécialiser en le dagues. Le poulet, on en fait quoi, Clara? On le garde combien de jours à peu près? On attend jusqu'à temps qu'il revive. Qu'il fasse des enfants? D'accord. On pourra essayer au moins avec elle. Tu veux faire des enfants? Ouais, si tu veux. Si tu veux, on fait non, des on enfants essayer. À deux. Ce sera un let's play sur YouTube. Bah, jette, en même temps que tu portes de. Oui. Du coup. Bah oui, comme ça, ça reste dans le lore. J'ai hâte. Moi je prends moins de RC en faisant ça.
Le talent de substitution acheteuse de l'arme volte H a été ajouté. Mais en fait, ça sert à ça de faire des missions là. Bah, tu oui. gagnes des talents sur tes armes. Oui. C'est pour ça que c'est intéressant de faire les quêtes jaunes. Bah, c'est ce que je fais, mais hier, je lançais presque quelque chose. Bah, là, j'en lance une encore. On l'a déjà fait celui-là, non? Non. Ouf. Bah, moi, c'était pas la Volto-H, mon H aussi, c'est la Morpho-H. Bah, du coup, c'est pas la bonne arme. Je crois que j'ai déjà fait. Mais si t'as déjà fait, moi, j'ai pas fait. Hein. Alors là. Quoi? Ah non, j'ai une troisième. J'ai encore les 3 bonus quoi, incroyable. Quoi? Permet de réaliser une estocade tout en fortifiant un armée montée. Marteau apocalyptique. 50 dégâts d'eau quoi. Est-ce qu'on peut retourner s'entraîner ou on peut toujours pas? C'est pas normal qu'on puisse pas aller à l'air d'entraînement. En fait, je peux. Et voilà, il est parti en quête. Bah, j'ai entendu le. Comme quoi la quête était prête. Eh ouais, mais je t'ai fait ce que tu me fais parfois. Eh bah oui, du coup, voilà. Et du coup, je t'ai fait ce que tu me fais parfois. Partir sans moi. Ça me dérange pas, tu sais, hein, on a que des pires dans la vie. Ouais, moi en général quand tu me fais ça je suis là en mode bras, j'ai l'habitude. J'ai l'habitude. Ouais. Collection de DZ. T'es en stream là, Clégué? Oui, oui, bah tu sais, je suis en stream depuis 3 heures. Allez, Clara, tu vas. Sinon je m'arrache les bourses. Comment ça? Mais regarde ça! Mais pas qu'elle regarde ton arrachage. Non. C'est Jay. Bah ça lui appartient un petit peu. Non. Si, c'est une partie de toi qui fait partie d'elle. Au revoir Clara. Bonne côte. Ah. Oh non, pas lui. Et voilà. Dis bonsoir aux étrangers dans le chat. Bonsoir les étrangers dans le chat. Non mais attends, dis pas pour Discord, pour toujours. Je suis avec toi dans la vocale. Ouais. Oh. Non mais on est en vidéo les gars. Du coup je compte sur vous pour être sage. Et partir. Et carrément partir. Pourquoi? Parce qu'on est en vidéo. Ok. Bon, je crois que j'ai compris. J'ai compris comment on joue. Oh, ils ont été calmes pour une fois. Je sais pas, ils sont butés. Non, ils sont plus là. Oh, je suis bête. Ah, t'as vu quoi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'as pas le bon? Non, mais en fait, j'ai voulu faire un truc. C'est assez rigolo en vrai, parce qu'ils viennent à chaque fois, je les envoie bouler. Et ils reviennent quand même. C'est la force des enfants, ça. Parce que c'est... Faire quoi? C'est deux enfants. Hein. Il y en a un, il a 14 ans, et l'autre, il a 9 ans. Hein. Et je sais pas comment m'en débarrasser. Bah, tu les kicks. Bah, je peux pas faire ça, ça va leur faire de la peine. Et pourtant, je suis désagréable, hein. Mais je sais pas.
D'accord, j'ai compris. D'ailleurs, c'est vous qui nous regardez sur YouTube ou Twitch. Vous êtes les bienvenus sur, sur Discord. Si vous êtes des enfants, vous êtes moins les bienvenus. Plus si vous êtes adulte. Adulte raisonnable et responsable. En fait, quand je fais ma plus grosse attaque, il faut que j'appuie sur triangle en même temps et comme ça. Fait mal. Et comme ça, ça explose, ça fera plus mal. Tu respires fort ou ça n'a rien à voir? Il y a peut-être un voiture à côté de moi. Ah, c'est peut-être ça que j'entends. Genre là? Ouais, ouais. Ah, c'est bon. Non, mais il va y aller. Mon sang. Bah, en fait, je pensais que tu respirais comme un cochon, je me suis dit, attends. Non, je respire très rarement fort. Sauf quand je m'endors. J'ai cru que t'allais être là, je respire jamais. Attends, quoi? Ouais, je suis le seul à mon monde qui me respire pas. C'est un passif que j'ai eu à ma naissance, quoi, j'ai pas besoin. Bah, moi, c'est chiant parce que du coup, les gens ne croient pas, mais. Habitué, non mais on a le cœur ouvert. Hein. Il est capturable mais j'ai pas de piège du coup bah on le tue. De toute façon j'ai bien senti la dernière fois quand on a joué ensemble que t'étais un peu désemparé du nombre de captures. Du coup, je pense que ça peut te faire du bien de tuer un peu des bêtes, quoi. Un petit peu, j'aime bien les tuer. Ce que je te propose, c'est qu'aujourd'hui, dans ce live, à partir de maintenant, on ne capture aucune bête. Ça te va ? C'est ce que je demande. Ah, Timex. C'est vrai qu'il était grand. Ah, on n'a pas eu le doré malheureusement. Mais Timex quand même. Hmm ? L'argent ? Non, on n'a rien eu. Ah, ok. Timex, mais trop petit. On entend des poutous. C'est adorable. Au revoir Clara. Au revoir Clara. À bientôt. Bonne continuation. Dis au revoir dans le chat. On m'appelle pas, hein. Bah nickel. Ah. Une heure. D'accord, bon bah tout à l'heure pour manger alors. Ah, on se dit à tout à l'heure, hein. Ouais, c'est bon, Casto, on a compris. Hey. Bah, on est les fausses barres, quoi. Regardez là, on casse les couilles. Mes couilles sont tellement cassées que je les vois même plus. Wow. Au moins elles sont pas bleues, ça va, on peut tout le plein. Heureusement, on en fait plus tôt. Ok, ok, on esquive. Oh, j'ai fait quasiment 1000 points de dégâts en un coup là. On va sur le vol bidon ou je le pose sur un mur là? Tu sais que là tu vas empêcher 300 points de dégâts en montant dessus. Je prends ça pour on le pose sur le mur. Hein. Nickel. Bon, il est stun, regarde. Bouc, bouc, voilà. Il va pas vivre longtemps, il prend des tartines. Donc j'ai carrément compris mon arme maintenant. Là t'as la maîtrise en gros, totale. Parfois il y a un boomerang qui sort. Et dès que ça sort, et dès que je fais mon attaque élémentaire, donc mon triangle rond. Et si je rappuie sur triangle, ça fait, tu sais, la grosse attaque avec l'acide.
qu'une fois je t'avais montré. Ouais. Et que j'arrive pas à faire quand je veux. Bah normalement, maintenant je sais le faire quand je veux. Et ça... Ça change tout. Boum. Non. Là, j'ai vu une vidéo qui expliquait pourquoi les gens préféraient World à ce jeu. Et du coup, bah globalement, si je devais faire un assez court, c'est parce que World est plus bien que ce jeu. D'accord. Ouais. C'est génial. Les gens font vraiment des merdes. Ah oui, c'est vrai, attends, on capture quoi? My bad, c'est les réflexes. C'est les réflexes qui sont ancrés. Et en gros, ce qui est... Il y a d'autres reproches en vrai, mais le gros reproche c'est graphiquement, tu vois, le fait qu'il soit moins beau que le précédent. Parce que ça me choque pas, mais... Mais un autre reproche c'est que le jeu est trop rapide comparé à... au précédent. Le précédent était plus posé. Ça c'est drôle ça. Pourquoi? De dire que World est plus posé, c'est drôle. Bah, c'est le cas. Ah, moi, je vais faire comme ça, perso, mais bon. Et que en termes de... Bah, en termes de gameplay, ce jeu, apparemment, il est beaucoup plus compliqué que World. Bah, c'est bien, je comprends pas les défauts. Et La limite qu'il soit main beau, je... Ok, d'accord. Et en gros, ils ont expliqué que Wild ressemblera un peu à World, parce qu'en gros, il y a deux teams de développement. En gros, il y a... Oui, et ben en gros, celui-là, le prochain, il sera un peu comme World. Le prochain, il sera un peu plus comme celui-là. Parce qu'en gros, c'est deux teams qui travaillent séparément, quoi. Bah, ils se ressemblent quand même à les jeux. Bah oui, il y a des ressemblances. Mais j'avoue que quand j'ai regardé la vidéo qui expliquait pourquoi Rise était moins bien, je me suis dit, bah... Je sais pas, je trouve que c'est pas justifié, mais... Bah, je crois que moi, c'est juste des points positifs, en fait, pour Rise. Oui. Je comprends pas. Bah en fait c'est juste graphiquement les gens ont été déçus quoi. Non mais c'est vrai que tu joues à Monster Hunter pour les graphiques. Non mais bien sûr, pour les graphismes pardon. Oui t'inquiète, non, ouais, bien oui. Sûr. On avait compris. Ça me paraît vraiment logique. Alors moi je joue à Monster Hunter pour les graphismes. Non mais quel fils de pute. Non mais il y a aussi un autre défaut qu'ils avaient dit, c'était le côté chasse, tu vois, le côté tu dois traquer la bête. Ça c'est bien quand même dans World tu vois. Bah tu sais quoi? Tu sais ce que j'ai envie de leur dire à tous ces gros chiens. Non mais calme-toi. Jouer à tous les Monster Hunter avant World, c'est comment c'était avant pour traquer une bête claquée? Vas-y. T'es arrivé dans la map, ok? Voilà, bonne chance. C'était ça, hein. La bête, elle s'est sauvée. Bonne chance. Oh, faut que tu lui cours après, quoi. Mais en fait, non, parce qu'elle s'envole, comment tu fais? Ah bah là, tu Et bah en fait, il y avait ce qu'on appelait des marqueurs. Les marqueurs, ça se récoltait sur un endroit dans la map en particulier, et tu peux en avoir que 3 par truc, parce qu'en fait, parfois ils se frottaient sur le sol, du coup, ça enlevait le marqueur. Ah. Donc parfois, tu le voyais plus. Et moi, j'ai déjà eu le coup, du coup, sur ma DS, où je tape un Razian, cousin, il s'envole dans son nid, j'arrive dans son nid, il se renvole, je le vois plus parce qu'il enlevait son marqueur, du coup, j'ai pas pu lui remettre un. Et d'un coup, je reviens, full life. Oh. 20 minutes à le chercher, hein. Parce que les maps elles sont plus grandes que ça et t'as pas de chien, ni de philoptère. Voilà. Donc à un moment donné, les mecs qui chialent parce que ça les traque pas, vous foutez de ma gueule. Genre tu regardes là, tu regardes la map, t'as en difficulté pour savoir retrouver ton chemin. Alors peut-être que le biche en thème il est là dans le mur, regardez. Non, t'as pas compris, t'as pas compris. En gros, ce qui reprochait à Rise, c'est que tu vas directement au monstre, tu sais où il est. Oui, non, j'ai compris. C'est parce que tu le vois. Alors que là, t'es un peu un truc en mode tu le chasses. Mais en quoi tu le chasses, gros, tu suis un truc qui a un bot, cousin. Tu fous ma gueule ou quoi? Tu suis un truc qui a un wallack, allô. Et encore, ça c'est quand tu le connais pas beaucoup le monstre, parce qu'une fois que tu le connais, c'est terminé. Ah ouais, dès que tu le connais, tu sais. Faut arrêter d'hypocrite quoi. C'est encore, c'est qui écrit ça encore? Non, mais c'est un youtubeur. Ouais, bah ouais. Bah, tu me donnais sa chaîne, je vais lui envoyer un message. Non, je vais pas t'envoyer sa chaîne. Mais ça, c'est des gens, gros, la vie de ma mère, ils ont jamais joué. Bah, il a expliqué dans sa vidéo qu'il avait découvert Monster Hunter avec World. Ouais, il y a 2 semaines peut-être. Non, bah non, World il est sorti en 2019, je crois, ou 2018. Ouais, mais il dit de la merde, vraiment. Mais moi, c'est pour ça que je dis aux gens. De commencer par le premier, vraiment, c'est pas une blague.
Mais là, il y a là le monstre aggro, je sais pas où tu vas. Ah oui, c'est vrai, quand je chasse des biches en thème, mais je sais pas pourquoi j'étais parti sur la ration. Ah, comme moi la fois dernière. Oui. Moi là, j'étais là en mode, bah la ration, je vais lui mettre sa race. Ce qui est dommage parce que eux, on a déjà les dorés. Ouais, je sais. Bah, quand on fait la quête. Oui. Bien. J'ai une question, dès qu'on aura terminé toutes les quêtes experts et novices, tu veux faire les quêtes événements ou on se lance sur... Bah, les quêtes événements ça se fait pas à la fin malheureusement. Si t'as un truc qui valide comme quoi t'as terminé. Non. Oui. Bah bon, je le vois pas alors. Faire avoir dans tes événements. Le genre il y a un petit V comme quoi, bravo t'as terminé la quête événement. Après c'est une question, hein, on peut le faire plus tard. Hein. Non, je pense que les 4 événements, il y en a certaines qui donnent des programmes de garantie, du coup on les fera quoi. Et tu veux faire le monstre... on fait le monstre à 100 avant d'aller à Sunbreak. Oui. Ok. Oui, du coup, oui, bah on fera du coup les quelques 4 événements, je pense, on sera pas 100 avant de terminer. Même si là, j'ai je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça va plus vite que sur Xbox. C'est peut-être moi, carrément, mais... Carrément, je suis carrément d'accord. Faut que les RC... Que 50, hein. Bah oui. Faut que les RC montent beaucoup plus vite. Et pourtant, on a pas beaucoup, beaucoup plus... Bah, j'ai pas l'impression d'avoir plus joué, mais bon. Ah, moi non plus. Hein. Enfin, en termes de temps de jeu, apparemment, j'ai plus joué que sur... Merde. Bon, alors là... Je sens qu'il va y avoir des reproches en pas longtemps, là. C'est quel, le nôtre? Celui qui est attaché. En fait, je l'ai foutu dans le mur au lieu de le foutre dans l'autre. Bah, il y a un petit là. Bah, en même temps, je ils sont. Je regardais pas, je regardais pas. Ils sont deux, il y en a forcément un plus petit que l'autre. C'est comme dans la grille. Toi, le jour où on va se croiser, il y en aura un qui sera plus petit que l'autre. Ouais, on n'est pas tous les deux un méchant terme. Bah, c'est notre race quoi. Et tu voilà, penses que si quelqu'un. De race sur Twitch, c'est ouais. Malade, hein. Oui, mais attends, tu penses que si quelqu'un nous tue, il aura la couronne dorée? Oui. Je pense qu'il aura la couronne dorée de petite taille pour moi. Après, ça dépend, est-ce que les nains comptent comme des êtres humains? T'es pas nain, frère, tu veux pas mettre 20? Bah oui, c'est pour ça, moi je serais la couronne dorée pour les étreux, pas pour les nains. Après ça dépend si on les compte comme des étreux, je pense que oui quand même. Ça déborde, hein. Ça déborde beaucoup là, je trouve. Après j'ai rien contre les nains, hein. J'ai un très bon ami qui est de petite taille, n'est-ce pas? C'est une blague, hein. C'est une blague, hein. C'est une boutade, hein. On rigole. Moi j'adore les noirs. C'est une blague. Quoi? C'est une blague, c'est ma phobie. Quoi? J'ai peur du noir. Ah bah nickel. Merci Radam. La nuit tu laisses allumer ta lumière. Ah j'ai jamais fermé les yeux depuis que je suis né. C'est pour ça que t'es fou. Là je sors un world record. Tu sais qu'il y a... Il y a un world record Ah bah... Sur les gens... mort parce que... Non mais... Non, sur les gens qui ne clignent pas des yeux pendant... Ah j'ai fait tomber la Razian. Il s'est pris la mine dans les airs, lol. Tu peux monter dessus si tu veux. Ouais... Bon la Razian elle a rien demandé mais elle a le grand tarot. Voilà, Bichantaine, adieu. La Razian elle a rien demandé, elle se prend tarot mon gars, elle prend tout dans sa bouche. Alors j'ai tellement mis de dégâts. Donc elle se barre. Elle a raison. Oui. Bah je pense qu'on était sur une furie meurtrière là, ouais, si elle restait, parce elle que j'ai mis comme dégâts gros, mais il y avait des chiffres partout. Bah c'était plaisant. Bah quand elle était collée au sol avec le bichantène, elle a pris un petit glissant dans la bouche. Bon souvenir, moi elle prenait tout. Les deux prenaient tout. Bah oui, moi aussi. Du coup c'était rigolo.
Vraiment, si elle restait un peu plus longtemps, je pense que vraiment elle allait mourir. Tu bugs, hein. À chaque fois que je te vois sur ton chat, je te vois bugger, c'est bizarre. Hein. Moi, je sais pas quoi te dire. Bah, dis-moi rien, c'est mieux comme ça. Ah. Quoi? C'est vrai qu'il est pas très grand lui. Ah bah y'a mon chat sur sa gueule. Voilà. Mais... voilà, je pas... là je me suis pas tourné, je peux pas marcher. Mais dans tous les cas, Wild ce sera très bien. En plus il y aura les chiens, et en vrai, même moi si qui ai fait les anciens jeux, je suis quand même content d'avoir les chiens. Parce que se déplacer tout à pied, c'est vraiment chiant. Surtout quand tu traques un mob que tu ne vois pas. Hein. Parce qu'en fait, le temps que tu fasses comme la map, bah lui, il a déjà changé de zone, donc... C'est, c'est juste dommage que la date de sortie soit pas précise, tu vois. C'est 2025, mais... disons que il y a 12 mois, quoi, en 2025. Quoi. Du coup, la date est large. Ce sera sûrement en fin d'année, malheureusement. Après, si c'est en début d'année, c'est incroyable. On est bien, on est sur Twitch, on est sur YouTube, on est bien. On fait des blagues de youtubeurs. Clash des titans. Et là il a l'air énorme le Razian à côté. Hein. Oui mais en même temps le machin c'est un nain. La Razian a le plus de crâne déjà. T'es déguisé hein. Bah la Razian elle se barre. Pas très vaillante hein. Prends toi ça. Ah je bien joué, Ikali. Ikali-sama. Calme-toi. Ikali-sama, calmez-vous. On passe à un personnage qui s'appellera Hisoka. Hmm. Tu vas aimer les enfants, du coup? Ouais, je vais jouer que des armes en lien avec les enfants. Tu vas jouer des grosses sucettes, quoi. Ouf, qui va prendre la sucette? Pas parler. Ouais, je sais. Je sais, j'ai pas entendu parler. Forcément, t'as pas parlé du coup. Je crois avoir oublié de reprendre les quêtes, malheureusement. Quoi, je crois, c'est sûr. T'es là. Ah bah elle dit rien, bah nickel.
D'habitude elle est là. Utella. Ah, oh, j'ai 20 coupons amitié mon gars. Ah ouais, j'ai plus rien. On a plus que ça à faire en quête jaune. Je vais jeter un oeil à mes requêtes. Wyvern de qualité, c'est vrai qu'il faut faire ça. Simulation économique. Roi Rhino. Rose de pierre. Prisme voilà, rose de bismuth. Je dis où c'était, hein. Je t'ai déjà montré. Hein. Oui, et il me manque des prismes de bismuth. Il me manque la bite. Pelage chaud. Pelage chaud, c'est dans l'archipel de glace. Bambou précieux. Faut au pire, je le ferai dans mon coin, ça. Bah non, tant qu'on le fasse ensemble, on a les mêmes quêtes, gros. T'as les mêmes que moi ? Bah oui. Ouais, faudrait le faire. Moi, j'ai deux sous-marins, mais les mêmes que le tien. Moi, il me reste... Oh, tiens, livré 2 œufs de wyvern de qualité. Ouais. Oh, tiens, livré 3 prismes bismuth. Tu es 8 amanites de l'archipel de glace. Tu es 8 bougies de la forêt inondée. Mets-toi prêt au lieu de prends une photo de la bombardie de la chambre du gaz. Les vrais 2 œufs de Garwa. Toi, je le fais le Amanilo. Quand tu es Amanilo en expert. Les vrais 2 bambous là. Les vrais 2 ruineaux du vin. Et recruter 15 pile poils. Alors, moi, je vais essayer de choper un pelage chaud là. La guerre, la guerre, la guerre. Que la guerre. Eh ben, figurez-vous les gens, que là où nous sommes, eh ben avant, c'était un truc qui avait le même physique, sauf qu'il avait une tête de petit T-Rex. Et en fait, il n'avait pas vraiment une tête, je suis inventeur. Il n'avait pas du tout la tête. Pas du tout. Mais il s'appelait Locknossum ? Non, il s'appelait autrement, mais c'était la même chose. Sauf que tu vois, quand le Locknossum, il court et après il tombe. Ouais. Et ben là, tu tires des boules de feu à droite et à gauche au long de la route. Pas pareil du coup. Non, mais c'était par contre, tous les autres mécaniques, c'est la même chose. Gros. Ouais, mais son ulti servait à quelque chose quoi. Pas comme là, son ulti il sert à rien, il court juste. Ah oui, non. C'est pas son ulti, hein. Bien cru, c'est Yamini no Shenshi qui l'a pris. T'as eu du pelage. T'as eu du pelage ? Non, et toi ? Pelage de qualité là j'ai eu. Corne en TK j'ai eu. Yuria. Tiens vas-y. Va faire. Va faire quoi ? J'arrive, je vais te rendre un service. T'as dit. T'inquiète ma biche. C'est toi ma biche. Et tu vas faire quoi exactement? Ah ça. T'as combien? 1 2 C'est peut-être eux qui donnent les pelages chauds. C'est vrai qu'il va avoir beaucoup de pelages. Oui, bon, de la peau, du pelage. Faut jouer sur les mots. Hein. J'ai eu du cuir charnu pour la première fois. T'entends le cri ? Bon, c'est un animal. Sûrement un chevreuil.
Oh mais il y a un singe. Le Rajang est ton ami. T'as déjà entendu cette musique? Le Rajang est ton ami. Oui. Ah bon? On enverra un lien. Mais nickel, il s'est envolé. J'arrive sur lui, il s'envole là que nous sommes. Ah t'as commencé l'autre? Bon je vais peut-être aller taper l'autre là. J'allais taper la Knossom mais bon. Moi j'ai toujours pas trouvé mon pelage chaud. Il a l'air bien grand le pont. Hein. Y'a quoi? Il a pas l'air bien grand je dis. Tu rigoles? J'ai carrément pensé l'inverse quand je l'ai vu. Peut-être de taille normale. Peut-être ni grand ni petit. Quoi. T'as des animaux à côté de toi là? Des animaux. Bah qui pourrait avoir un peu la chaud sur eux. Ah écoute non. 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 J'aimerais bien qu'il descende. Bah c'est parce que t'es monté. Ouais. Enfin je suis monté une demi-seconde ou quoi. Je peux monter trois quarts d'heure. Ah il est stun. Elle vient à quelle? Monsieur H. Comment je t'appelle? Monsieur H? H. Je suis pris un assiste. Ah. Ah, je pensais pas à lui bizarrement. Je m'endors. Ah, tu t'endors là? Ouais. C'est la difficulté de la quête qui t'endort? Ah, oh, c'est mes yeux. Ah. Hop, du coup, on s'en joue le bâillement. Oui. Mais grand moment dans le mais vraiment, j'ai sorti. En fait, le problème, c'est qu'il endort et moi, je m'endors IRL, quoi, donc c'est chiant. Le réaliste, hein, quelque part. Côté là donc on va en profiter. Quelle idée d'être venu mon ami hein. Moi je pense qu'il a pas de regret. Hein.
Je pense qu'il a même que des regrets. Les couillasses. Il t'a bien enchaîné, hein. Ah bon? Oui, j'ai l'impression. Oui. Ouais, on y va, hein. Pas ouf en termes de dégâts. Il faut qu'on s'arrête après cette quête. Je sais pas pourquoi je m'endors. C'est un coup de fatigue. Ça arrive. Hein. Si vous voulez. Après, faut dire qu'on n'a pas fait de quête bien difficile, du coup c'est peut-être ça qui t'a endormi. Ah, ça devient en colère. De quoi? Comment je m'endors? Bah tiens bon, jusqu'à la fin de la quête. Faites pause. Vas-y, va sur l'autre, en fait, je vais le capturer, ça va aller plus vite. Ou tu veux le tuer? Malgré tout. Je vais le tuer. Ok. C'est ta faute, je suis fatigué. Tu penses que c'est un alien? Bah il t'endort lui de base. Oui, mais t'as des résistances. Un minimum. IMAX, elle est vraiment petit avec elle. C'est moi qui ai dit ça en plus. Je le trouvais petit, hein, pour ma défense. Non, en fait, je l'ai trouvé grand avec sa crête. Je trouve qu'il avait une grande crête, quoi. Non, mais j'ai dit des bêtises, hein, t'avais raison. T'inquiète, c'est pas grave. Après, on en a tué que 5 de trucs comme ça. Là, je pensais qu'on en avait tué beaucoup plus. On n'a pas tué tellement d'espèces différentes. Enfin, la même pour les espèces, quoi. Bah, c'est vrai qu'on a. Bah, moi, personnellement, j'ai bien bourriné le Zinobre. Oh non. Je pense que j'en ai tué une quinzaine. Ouais, j'entends que c'est compliqué de rester éveillé. Pourquoi, papa? Bon, je sais pas pourquoi.
Non mais t'as besoin de repos, hein, ça arrive. Genre 2 minutes pour dire de brouiller mes yeux. T'inquiète pas, il va pas durer longtemps. Chose positive, c'est que c'est prochain live, on capture toi. Hein. Non, bah on pourra jouer plus tard, c'est pas grave. Hein. Et Wild est pas prêt de sortir, du coup on a le temps pour faire le jeu. Hein. Et même une fois le 100% effectué, moi ça me dérange pas de revenir faire une petite chasse ou deux. Quoi. Moi j'aime bien le jeu. Hein. Ça des bons moments dessus. Il est capturable. Il est quand même beaucoup plus simple que l'autre. Hein. Un grand Baggy est apparu. Bien joué, Ikali. Non, je t'appelle plus à la fin. Ah, tu t'appelles plus carrément? Non, bah je dormais. Ah. Je pense qu'il est temps d'aller dormir. Oh, j'ai posé. Repose-toi bien à quelle heure? Tu vas avoir besoin d'une petite sieste, tu es en faible! Je me suis levé depuis 6 heures et j'ai travaillé, hein? Ouais, bah moi aussi je travaillais. J'ai jamais essayé eux les plus chauds, hein? Les Yoshi? J'irai en tuer un après. Juste là, j'allais récupérer les composants. Le problème, c'est que ça despawn ces conneries. Putain! Oh putain, bâtard! Ouais, je l'ai jamais. Bâtard, tu me feras bailler quoi. Trois mini quêtes à vider. Et voilà. Bon allez, hein. Bisous. Heureux, du coup on va se faire une petite quête en solo. On va se faire une petite quête un peu nulle. Juste histoire de récupérer les pelages chauds. Faudrait que j'aille à l'archipel de glace. On va se faire un lapin. Le lapin. Le lapin qui a très peu de PV, du coup ça devrait aller vite. En plus on va manger, on va vraiment... Ah bon, tant pis, au pire on mange pas. Je pense pas en avoir besoin. À quelle heure est fini la quête des pelages chauds en vrai? Du coup ça doit se récupérer sur les Izushi ou autre chose. Il faut juste un pelage chaud. Eh.
Mais... On l'a refait voir. Ah, ça me demande de chevaucher, ça c'est chiant. Faudrait que je change ce truc. Hein. Allez mon chien. On va récupérer les pelages chauds vite. Est-ce que c'est eux ou c'est les petits baggy? C'est ça la question que je me pose. Forcément ça des pop. C'est peut-être les baggy hein. On va aller voir les baggy. C'est vous les moustiques à la con. Non, moi ça doit être les baggy, hein. Malheureusement. Il doit y en avoir dans la zone 12. Dommage. Eh ben. Hop.
Allez, direction zone 12. Est-ce qu'il y a des baguilles là? Ouais, y'en a. Ouais, un peu la chaux, ça m'arrangerait bien. Peau de baggy, c'est pas ça. Écaille de baggy. Bon, on va regarder dans le compendium, petit monstre. Faudrait que je me mette à l'abri par contre. Mais non, mais non, mais à quel moment il me touche? Mais arrête, petit con, va! Lapin à la con! Matériaux, ok. Et War Gear, il y a un truc qu'on connaît pas. C'est sur quoi les peluches chauds? Hein? Bah attendez, je vais regarder sur internet. Hein. Oh, c'est en novice. C'est pour ça que je le trouve pas là. My bad. Toi tu vas payer hein. Ouais il va payer mais il se barre. Dommage. Mais non.
Mais... Ça rend fou. Ça rend vraiment fou. Faire une quête en novice. Petite ellipse, hein, le temps qu'on arrive en quête. Bon, normalement, ça devrait aller. Normalement. Hey, c'est 18% de chance de drop sur ces sur l'antéca là. Corne. Pourquoi tu te rebiffes toi? Pelage chaud, voilà parfait. Bon, maintenant on va aller abattre un grand baggy. En novice hein, bien sûr. Ça devrait aller très vite. Je suis assez curieux de voir combien ça donne de... comment dire. J'ai trouvé le mot, ouais. Ne vous inquiétez pas. De RC. De rang de chanceur. De tuer un monstre en novice. Une fortunette. Bon. Comment passer hein. Attention. Chronométrer ce combat, il risque de ne pas durer très longtemps. Dommage, je vais être obligé de le capturer. Pas de me monter dessus. Durable. Et il est mort. Au moins la requête est terminée. Ça fait plaisir. Du coup YouTube, on va se laisser là, sur cette chasse au pelage chaud. Rendez-vous bientôt pour la suite. Au revoir.